Eh bien salut à toutes et à tous, il est pas 16h, il est 20h, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, Grand Utopia, deuxième vidéo de la journée. Voilà la vidéo du dimanche, ça fait plaisir, c'est la petite surprise. J'espère que vous êtes au top et évidemment je compte sur vous pour un maximum de soutien. Parce que les gars, on est ultra à fond sur YouTube là cette semaine forcément. Et on va tout faire pour continuer ainsi. Les amis, on est comme vous pouvez le constater dans l'entrepôt de la M Company. Alors entrepôt, je dirais même magasin, c'est le magasin de la M Company. Bref les amis, aujourd'hui on va faire une petite mission rapide avec ce petit Renault. On va transporter des palettes vides, 22 tonnes tranquillement. Nous sommes donc à Krautergersheim juste ici. On va passer juste ici récupérer le point d'interrogation. On va prendre la D23, Utopia zone portuaire, le ferry, le centre-ville d'Utopia, et on va arriver au quartier du stade de Utopia juste ici, tout simplement. Donc 25 minutes de route tranquillement, sachant qu'on a le ferry qui prend pas mal de temps. Donc en réalité c'est plutôt une dizaine de minutes. On est parti directement les amis. Alors oui, vous avez pu voir sur la carte que de nouvelles routes ont été explorées. Et alors là vous allez dire, mais attends, mais Mkolo, comment ça se fait, tu as roulé en off? Parce que oui, en effet, je vais quand même vous montrer pour être très transparent avec vous. Vous voyez, il y a des routes qui ont été blanchies là aussi également. Et on parle pas d'argent sale, bien sûr, hein, on parle bien des routes qui ont été blanchies. Eh bien, c'est parce que jeudi soir, j'étais donc en live sur Twitch. Les amis, n'hésitez pas à venir me rejoindre en live sur Twitch parce que, vous l'aurez compris, on passe du bon temps ensemble et on a fait pas mal de routes sur Grand Utopia, justement avec des petites anecdotes d'abonnés. Je vous mets un passage hors contexte maintenant. Alors en fait, du coup, il m'avait dit « Sus ma bite » et moi j'avais dit que j'étais pas prête. Voilà, c'était le petit extrait hors contexte. Je vous en remets un autre, c'est cadeau, c'est Bibi qui a régal. J'ai appris il y a 4 mois qu'elle a accouché. Qu'elle a accouché? Ouais. Attends, ça veut dire que quand t'étais encore avec elle, elle était enceinte? Ouais. Quoi? Ça va mon ref? Voilà, vous avez compris qu'on passe du bon temps en live sur Twitch. Twitch.tv/mkolooff les gars, n'hésitez pas à me rejoindre, ça fait plaisir. Donc voilà l'entrepôt. Oh, il faut que j'arrête de dire l'entrepôt, c'est pas un entrepôt, c'est un magasin. Le magasin M Company face à la mer, ça fait plaisir. Et sachez que vous pouvez donc tous jouer pour ma VTC. Donc pour la VTC M Company, vous pouvez tous y jouer sur Grand Utopia. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous roulez du coup avec une des remorques, eh bien à faire des petits screens et à envoyer sur Discord. Voilà, ça fait toujours, toujours plaisir. Alors les gars, je pense que ça se voit aussi, je l'espère, mais niveau qualité, c'est encore mieux que la précédente vidéo. Je suis arrivé un petit peu vite là, hein, j'ai freiné fort. Hop. J'ai encore amélioré la qualité. Normalement, on devrait être plutôt pas mal. Vos commentaires, bien sûr, ça m'a fait plaisir. Les commentaires du retour. Un petit peu timide quand même. Mais vous êtes là et ça fait plaisir. Oh mince. Oh mince, fallait que je passe par là. Oh là, mais je savais pas que c'était une rue étroite moi. Oh là, je connais pas bien Ah non, c'est pas grave. C'est pas grave, je pourrais peut-être faire Mais non, ça va être un sens interdit. Bon, on est dans la merde. Voilà, on est dans la merde, on va voir. Eh oui, j'ai pas le droit de tourner à droite. Le GPS il me dit de tourner à droite. Ah non, là je peux. Ok, c'est bon, attendez, là je peux. Alors on va prendre bien large. Je suis en train de me mettre dans les galères hein, dès le début. Mais c'est ça ce qui fait kiffer, on est là pour ça aussi. Voilà, on est là pour manœuvrer. Quelle idée de passer. Et c'est pas interdit pour les poids lourds ici en plus. Hein. Alors là, je regarde le devant. Je monte le trottoir même pas. Ok, là ça passe. Est-ce que derrière ça va passer? Jamais de la vie. Jamais de la vie ça passe derrière. Hein. Alors on va rester sur la gauche. Ok, je vais monter sur le trottoir derrière. Ok, j'ai monté derrière je crois. Mais là je vais rien, normalement je vais rien arracher. Oh les gars, je suis un boss. À gauche, je suis monté. C'est bon. Oh là là, c'est pas mal. J'ai peut-être couché un des poteaux là, mais je suis pas sûr. Tout ça pour qu'au final, j'ai même pas le droit de tourner à droite. Ah purée. C'est pas possible. Je me suis fait carotte. Je me suis fait carotte. GPS à la con. En plus, c'est un man. Bon, bah ma foi... Ma foi, on va se contenter de ce qu'on a et on va remonter malheureusement. Voilà, j'ai fait tout ce détour pour pas grand chose les amis. Oh non! Ah non, oui, non. Je pourrais quand même pas. Bon bah tant pis. Tant pis, voilà. Mais c'est pas grave. Au moins, dès le début de la vidéo, on se fait un petit kiff. On se fait le petit kiff de prendre des rues étroites. De toute façon, c'est pas comme si on allait repasser par là. J'ai le droit d'aller à droite, hein. Ouais. Bon là, ça passera sans problème. Je vais monter sur le trottoir comme ça, je suis tranquille. Ok. Attention aux lampadaires. Ok. On va faire gaffe à pas emmener la voiture.
Hop, nickel. Eh ben, c'est du sport. C'est du sport. Bonjour messieurs, dames. Allez, on y va. On y va les amis. Donc là, ça va être de la route vraiment tranquille par rapport à ce qu'on vient de faire. On est vraiment, vraiment pas mal. N'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr, vos commentaires qui font plaisir. Les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo de L7C Fox qui est sortie hier. Vraiment superbe vidéo. Non, pas du tout, j'ai pas pu la voir encore puisque de toute façon je tourne cette vidéo à l'avance. Mais je sais que samedi, donc la veille, eh ben, il aura sorti une vidéo et donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que en ce moment, L7C Fox, bah, il est un peu moins actif sur YouTube hein, pour ses raisons. Il en avait parlé sur. Il en avait parlé. Voilà, sur YouTube, vous pouvez voir sur sa chaîne. Et voilà, donc ça fait plaisir de le revoir, j'imagine. Parce que du coup, j'ai pas vu la vidéo, donc je ne sais pas. Si ça se trouve, il est pas vraiment là, je ne sais pas en fait. Mais normalement, il est là. Donc voilà. Le pire. Je suis le pire. Voilà. Donc allez, c'est parti. Faisons un petit peu de route. Alors, pour revenir aussi sur les live Twitch. C'est pas parce que j'ai fait un live Twitch sur Eurotruck que je vais en faire de manière très souvent hein. Voilà, je voulais encore le préciser. On se fait des petits kiffs de temps en temps quand j'en ai envie. Mais faut pas attendre ça toujours quoi hein, parce que c'est compliqué de faire et des vidéos et des lives sur Eurotruck. Après il y a un décalage, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là bah écoutez, on profite de cette vue plutôt jolie. Alors pour ma part, moi j'ai déjà fait cette route je ne sais pas combien de fois depuis aujourd'hui bon, moi ça me fait un petit peu plus rien. Mais pour l'aventure sur YouTube, c'est la première fois qu'on prend cette route. Donc voilà, c'est toujours sympa. Et en effet, on est à l'épisode je sais plus combien. Bientôt l'épisode 10 en tout cas. Si ce n'est l'épisode 10, non c'est peut-être l'épisode 9, je ne sais plus. Bref, hop, ça fait plaisir. Donc là l'idée pour les prochains convois, enfin les prochains convois, non, pour les prochaines livraisons, l'idée ça va être de pouvoir monter sur MyGotopia. Ça peut être bien sympa, sachant qu'il y a des nouvelles versions qui vont arriver, des nouvelles mises à jour de MyGotopia. Et puis un petit retour sur Akokanazon, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais préparé de la musique de Cuba. J'avais préparé de la musique de Cuba en fond. Alors attendez, bougez pas. Hop, nickel. Là, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Est-ce que... Voilà, petite musique de Cuba en fond, les gars. Vous connaissez mon attachement pour la salsa, pour ce genre de musique. Voilà, ça fait plaisir. Bon, du coup, c'est pas trop fort parce que c'est vrai que vous m'aviez dit en commentaire dans la dernière vidéo que les musiques étaient peut-être un petit peu trop fortes au montage. Donc là, voilà, c'est au plus faible. Ça se trouve, vous n'entendez pas beaucoup la musique. Mais ça devrait suffire, je pense. Hop là. Et ça va être bien sympa parce que là, on va rentrer en ville. Ah là, on est bien. Là, on est dans une ambiance. Dans une ambiance caliente. Hein. Et en plus ça tombe bien, c'est pas fait exprès. Mais c'est vrai que hier j'ai sorti une vidéo sur Far Cry 6. Et Far Cry 6 donc Cuba. Forcément c'est la même ambiance. Je peux pas baisser le volume là comme ça. Ah c'est dommage, faut que je me mette un raccourci clavier. Hop, c'est pas grave, c'est assez rapide. Allez, on rentre dans Grand Utopia. Alors il faut que je refasse un truc parce que le GPS il veut me faire faire demi-tour. Voilà, je suis désolé hein, pour ces petites folies. Hein, 70 km/h, t'inquiète mon pote. J'aurai largement le temps de ralentir. On va reprendre le rond-point. Parce que les ronds-points, c'est bien. Hop là. Allez, c'est cadeau. C'est cadeau. Je vous offre Eurotruck. J'offre à un d'entre vous Eurotruck. Grâce à Eneba. Voilà, je dis ça comme ça, c'est officiel. Boum boum. Alors, on va faire ça comme ça. Vous allez ceux qui veulent Eurotruck. Alors c'est uniquement sur Steam, hein, sur PC hein, je le rappelle hein. Enfin j'imagine que sur Steam Deck ça fonctionne. Mais bref, en tout cas c'est sur Steam. Je vous offre Eurotruck, d'accord, juste Eurotruck. Faut juste que vous soyez bah non ça change rien. Peu importe où vous êtes sur la planète, ça fonctionnera cette clé que je vais vous offrir. Je vous offre une clé donc Steam pour Eurotruck. Pour ce faire, vous mettez un commentaire. Et vous mettez un moyen que je puisse vous contacter, s'il vous plaît, absolument. Faut que vous mettez un moyen de contact, donc peu importe lequel, hein. Franchement on s'en fiche total. Ça peut être une adresse mail, ça peut être votre Discord, mais il faut que ce soit vraiment votre Discord précis. Donc votre nom avec les hashtags. Soit votre Twitter, soit votre Instagram, peu importe. Et comme ça moi, une fois que j'ai tiré au sort,
Eh ben, je vous contacte directement en message privé là où vous m'avez dit de vous contacter. Et puis bam, je vous envoie la clé Steam. Et puis voilà, ça fait plaisir. Allez, c'est cadeau. J'ai sorti ça sur un coup de tête. Je me suis dit, bon, allez, j'ai rien à dire, alors je vais offrir. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Hop là. Direction le ferry. On va quitter la zone portuaire. Polaris Line. Ouais, c'est cool. Bon, par la suite on pourra acheter un camion, mais vous savez que j'aime pas faire les prêts à la banque. C'est toujours la galère. Donc on va encore un petit peu attendre. Les missions rapides c'est quand même bien. Puis par la suite on pourra toujours évidemment envisager d'acheter un camion quoi. Hop là. Et on est arrivé. Hop. Et on a juste ici la transport. Transport L7C Family, c'est génial. Allez, on est arrivé. Utopia. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le Casino Royal juste à côté, c'est bien sympa. Hop. Et on est reparti directement. Ah bah L7C Fox est déjà parti. La 7ème compagnie est déjà partie. Je suis le dernier à sortir du bateau finalement. Hein. Je me suis endormi. Mais voilà, allez. 13 petites minutes à rouler tranquillement. C'est toujours un plaisir de rouler sur Grand Utopia. Faudra qu'on se recapte pour refaire un convoi avec Fox si c'est possible. Et my goodness, pour être bien sympa. On verra ça très bientôt par la suite. Hop les... Y'a du monde hein. Y'a du monde au balcon. On arrive sur l'avenue de l'Europe du Sud. Alors c'est écrit en anglais, va savoir pourquoi. South Europe Avenue. Oh, alors par contre je m'attendais à tout sauf à ça. La tour Eiffel, mais j'ai jamais vu ça. Je l'ai jamais vu moi la tour Eiffel d'aussi proche. What? Attendez les gars. Si je vais tout droit ça marche ou pas? Attendez, si je passe par là il se passe quoi? Oh ça marche. Eh je vais tout droit hein. Je vais tout droit hein. Moi je vais aller à la tour Eiffel hein. What? C'est incroyable. Mais j'ai jamais pris cette route les gars. Mais vraiment hein, je vais mettre en plein milieu. Je vais mettre en plein milieu monsieur dame, c'est magnifique. Oh là là. Alors ça c'est chouette hein. Alors ça c'est chouette. Ah il y a une manifestation carrément. Ah bah oui, oui on est en plein dedans, c'est vrai. Moi je dis oui oui baguette hein. Hop là. Eh ben si seulement à Paris la route était aussi propre que ça. Ce serait magnifique hein. Ce serait vraiment magnifique. Là, my goodness, il s'est fait un petit kiff. Mais je vous jure, je suis jamais passé par là par contre. Aussi longtemps que je connais Grand Utopia, aussi longtemps qu'on a roulé et joué sur Grand Utopia, je suis jamais passé par là. J'ai absolument aucun souvenir. J'ai toujours vu la tour Eiffel de loin, mais je savais même pas qu'il y avait une route qui passait carrément en dessous visiblement. What? Non, je vous jure, c'est la première fois que je passe par là, c'est génial. Bravo hein, bravo my goodness. Là je vais passer vraiment pour un noob de n'avoir jamais vu ça mais. Ah ou alors peut-être dans l'autre sens. Sans le savoir. Du coup, c'est possible. Hein. En tout cas dans ce sens, je l'ai jamais pris. Hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Là-bas, il y a un avion qui atterrit. On a la tour Eiffel, donc juste derrière. Ah oui, non, je suis vraiment jamais passé par là hein, pour le coup. Hein. Ah ouais! Eh, une des premières fois que j'ai roulé sur Grand Utopia il y a 2 ans. C'est le bordel ici. Ça n'a aucun sens ce carrefour. Vraiment, hein. Magique roundabout, yeah! Ah là là, ça c'était l'époque où my goodness il a pété les plombs à cause de Virginie la mauvaise. Pour ceux qui ont la ref. Je vais rester du coup sur le flanc gauche. Ouais bon là il s'agirait de pas se foutre de ma gueule hein. Excusez-moi mais le feu rouge là Marcel Michelin Stadium. Et on arrive du coup au quartier du stade. Ah oui il y a un stade et tout. Non je suis jamais allé là. Alors soit vraiment je suis juste jamais allé là parce que c'est la vie.
Ou soit vraiment c'est nouveau et j'ai complètement zappé cette nouveauté. J'en ai aucune idée. Vous me direz en commentaire si vous êtes déjà passé par là. Mais c'est ultra stylé. Hein. Ah mais c'est là que je dois tourner. Oh là là, quel enfer. Quel enfer. Je suis pas réveillé. Hein. Je suis pas réveillé. Bon ben, le trottoir. Ah bah c'est bon, j'ai juste touché sur l'avant. Hop. Fellow cargo. Hop là, une petite manœuvre en bord de mer, c'est toujours sympa. Oh. What? Mais c'est ultra buggé hein. C'est ultra buggé mais ça fait plaisir. Moi ça me fait plaisir, moins j'ai de manœuvres à faire, plus je suis content. Bah alors? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah! Ah d'accord. Ah j'avais pas. D'accord, je savais pas le. Bonsoir. Bon bah ma foi, bah du coup, oui, bon bah on va manœuvrer, c'est bien. C'est joli ici, dis donc, c'est. La vue est très belle. Voilà, on peut regarder, profiter un petit peu finalement. Allez, c'est parti. Parlons peu, parlons bien. Oh là là, c'est la merde. C'est grave la merde. Ça passera jamais. Si, c'est bon, ça passera. Ok. Je vais prendre mon temps. J'ai peut-être un peu trop tourné en vrai. Hein. Non, en vrai, c'est bien. Non, en vrai, c'est même très très bien. Là, on va faire revenir tranquillement le volant. Eh, hey, attendez. On va arrêter là. Je vais corriger. Ok. Superbe. Comme ça là au moins, je suis tranquille. N'hésitez pas à juger en commentaire ma manœuvre les gars. En vrai de vrai, là je suis ultra sérieux. Ah, ça coince. Ça va coincer. Jusqu'ici c'était pas mal en vrai. Bon c'est pas grave, attends, faut juste pas que je me prenne le camion devant. Ok. C'est bon, je m'arrête. Et ça repart. Non, ça coince. Je vais sortir du camion, je comprends pas. Mais ça coince où frérot? Ah c'est les trucs là, là juste sur le... Ah ok, c'est parce que je roule sur les... Bah ouais mais c'est malin leur truc aussi. C'est malin leur truc. Allez. Hop. C'est complètement débile. Ça c'est fait. Et ben voilà les amis, c'était pas si mal que ça en réalité. J'espère que vous avez kiffé ce petit trajet tranquillement, chill, sans prise de tête. On est enthousiaste. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. La M Compagnie, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.